Salut à tous! Aujourd'hui, je réponds à la question con de Joker Dami. Le fil d'actualité Facebook a-t-il une fin? C'est vrai, la plupart du temps, on scrolle sans s'en rendre compte. On descend, on descend. D'ailleurs, on fait surtout ça quand on est seul aux toilettes. Monsieur, arrête! De toute manière, on le fait tous, je le sais, c'est pas la peine de me mentir. Et au final, comme ça charge automatiquement, ben on peut jamais vraiment savoir s'il y a une fin. On va voir ça tout de suite, c'est parti! Et juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que forcément, je vais devoir flouter mon fil d'actualité par respect pour mes potes. Après, c'est vrai que j'ai des potes tellement chelous que ça risquerait de vous choquer vous aussi. Et voilà, maintenant que j'ai dit ça, ils vont venir m'insulter sur mon mur. Super. Alors bon, j'ai Facebook ouvert, on va recharger la page. Hop, et c'est parti. Alors je sais pas si vous aussi c'est pareil, mais j'ai plein de pages de merde que j'avais likées quand j'étais au lycée. C'était des trucs genre, ouais, si toi aussi, t'es pour que les cours se soient nuls et tout. Le problème, c'est que je suis toujours abonné à ces pages et du coup, des fois, j'ai des vidéos un peu bizarres ou des posts nuls qui apparaissent. Faudrait que je pense à les supprimer d'ailleurs. Voilà, je vous parlais des pages bizarres auxquelles j'étais abonné, mais il y a aussi ce genre de merde sur Facebook. C'est les gens qui font encore des tests. Par exemple, là, on a mon ami qui a fait un test. Es-tu sexy? Voilà. Et je suis très content de savoir qu'il est sexy à 631%. Oui, mon gars. Putain, qui fait ça encore? Alors, j'ai mis ma discussion instantanée en off pour pas qu'on soit dérangé. Et comme j'ai quelques copains qui savent ce que je suis en train de faire là, j'avais peur qu'ils viennent me faire chier pour pourrir ma vidéo. Donc normalement, on devrait être tranquille, ce n'est que vous et moi. Voilà, puis on peut tomber sur des petites photos de chats, par exemple ça, voilà. Je suis dans ma litière, tu es dans ta galère, voilà. C'est des trucs, et ça te donne envie de supprimer certaines personnes de tes amis, hein. Alors oui, alors ça, c'est typiquement le genre de statut que je ne supporte pas. Les mecs qui racontent un peu leur vie, mais genre, on s'en fout. Voilà, là par exemple, je bois un chocolat chaud à la fleur d'oranger en écoutant Eminem et en faisant le détour d'une carte de l'Ossétie du Sud pour ma prochaine vidéo. Vis ma vie de youtubeur. On s'en fout. Et c'est qui d'ailleurs? Mais le truc, c'est que vous pouvez pas encore savoir qui c'est. Allez, je suis sympa, on défloute le truc, et oui, c'est Monsieur Doc7, voilà. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà commenté, hein, voilà. Donc pas de surprise, il sait à quoi s'attendre. Au bout d'un quart d'heure de scrollage intensif, je ne suis remonté qu'à il y a 3 jours, donc c'est pas grand chose. Donc si c'est vraiment infini, c'est-à-dire que tu peux remonter jusqu'à tes premières publications, j'en ai vraiment pour très longtemps. Donc c'est reparti. C'est horrible parce que mon ordi commence déjà à bugger en fait, enfin, il est déjà en peine. Alors putain, il va finir par exploser quoi. Bon, ça commence un peu à être long, parce qu'en fait le problème c'est que plus je descends, plus il y a de trucs qui s'affichent, donc que ce soit des textes, des photos ou quoi. Et au final, lui, l'ordi, bah, il le conserve tout ça. C'est pas parce que ça disparaît sous mes yeux que ça disparaît de l'écran. Lui, il conserve les infos et du coup, bah, plus il y en a, plus il rame. Oh, mais ça, c'est pas cool. Alors, les gens qui mettent des photos de bouffe sur Facebook, c'est vraiment pas sympa, quoi. Parce que moi, je suis là en train de les regarder alors que j'aimerais être avec toi en train de les manger, tes putains de cookies. Alors ça, encore une fois, voilà, ça c'est le genre de post qui fait que j'ai envie d'enlever cette personne de mes amis Facebook. Voilà, pensée de fille. Les messages genre « Fais attention à toi, je t'aime, n'oublie pas, passe une bonne journée, prends soin de toi » sont top. Eh bien, écoute, je ne citerai pas ton nom, mais hop, ami, retiré de la liste d'amis, je suis désolé. Ça j'en ai un, hein. Voilà, au bout d'un moment, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, j'ai eu 23 ans, il faut se détacher. Loin de ce genre de truc du lycée, là. Allez, ça dégage. Non ! Non ! Non ! Oh, putain ! Ok, et eh ben là, c'est triple raison de la virer, c'est que j'ai cliqué sur son profil sans faire exprès. J'ai l'impression de revivre un truc comme le calendrier iPhone, et j'aime pas du tout ça. Est-ce qu'il y a moyen que si je revienne en arrière, je sois pas tout en haut de ma page ? Oh, putain ! Ok, et eh ben on recommence. Oh, fait chier ! Thank you.
Oh, ça bug. D'accord, donc faut vraiment, maintenant il faut vraiment que j'y aille tranquillou, doucement, parce que ça commence déjà à planter quoi. En fait, ce qui est horrible et ce qui prend vraiment du temps, c'est le temps de chargement de la page. Ce qui fait qu'en fait, je remonte pas si haut que ça. Je suis, c'était quoi, il y a 5 jours ce post. Mais ça prend 1000 ans parce que ça charge, voilà. J'aimerais au moins réussir à revenir en 2015. Ça devrait pas être très compliqué puisqu'on est début 2016. Non ! Ok. Ok. J'ai cliqué sans faire exprès, mais c'était pas sur Facebook. Oh putain, j'ai eu trop peur. J'avais pas envie de recommencer depuis le début. Je suis trop maladroit, moi, pour ce genre de truc. Comme le calendrier, je suis trop maladroit pour faire ça. Alors c'est marrant, mais quand on fait défiler son fil d'actu Facebook, on a tous la même tête. Et dans ta tête, bah, ça ressemble un peu à ça. Nul, 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 ça c'est nul, ça c'est... Oh, ça c'est très très nul, ça c'est... Oh, c'est qui ce mec, je le connais même pas. Oh là là, il est en souffrance cet ordinateur. Putain, et je suis même pas en 2015. Alors sur Facebook, on a tous déjà eu au moins une fois une magnifique surprise, celle d'avoir une demande d'ajout en ami d'un membre de sa famille. Et souvent, c'est pas le cousin cool qui fait des road trips autour du monde. Non, non, c'est plutôt ta vieille tante qui a de la barbe ou ton oncle un peu relou que tu vois qu'au dîner de famille, ou même pire, c'est ta mère. Et je parle de ta mère à toi, hein, pas de la mienne. D'ailleurs, si tu pouvais lui demander d'arrêter de m'ajouter sur Facebook, ça me ferait plaisir. Bon, on s'y remet. C'est pas tout, mais je suis même pas encore en 2015. Et ça fait presque 2h30 que je fais ça. Oh putain. C'est pas possible. Franchement, je pensais que j'allais arriver. Et là, il bug. Il bug de ouf. Il bug sur l'ange gardien des roues, c'est Oliver. Ok, donc là, mon ordi est juste en suicide complet. Voilà, il me fait le petit parasol qui veut dire qu'il n'en peut plus. Je pense que s'il pouvait parler, là, il serait en train de me dire genre, gros, mais pourquoi tu me fais ça? J'en peux plus. Voilà. Je n'en peux plus, arrête ça tout de suite. En plus, je lis tous les posts de tes potes, c'est vraiment nul à chier, quoi. Laisse-moi tranquille. Ok, donc je pense que j'approche de la fin de ce que peut supporter mon ordi. Mais moi, j'aimerais aller jusqu'au bout, hein. Jusqu'à ce que vraiment il puisse plus, je sais pas, qu'il explose ou qu'il se lève de ses petites jambes et qu'il s'en aille de la pièce, voilà. Allez. Du coup, c'est bien parce que je tombe sur une lettre d'anniversaire d'une amie à moi, donc j'apprends que son anniversaire était le 2 janvier, que je lui ai pas souhaité. Voilà. Ben... désolé. Bon, alors là, ça charge plus. Ah, si ça revient... Ouh là 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 là. Il est en galère de ouf, quoi. J'ai l'impression que limite, mon ordi commence à fumer, c'est n'importe quoi. Putain, il est brûlant, quoi. Il va foutre le feu à la table. Ah. Oh. What? Il m'a kické. La page s'est fermée toute seule. Putain, j'ai l'impression d'être dans un mauvais cauchemar, comme le truc du calendrier où je me faisais jeter par le calendrier parce que j'allais trop loin. Là, c'est pareil. Mais non, j'étais au 2 janvier. J'étais au 2 janvier, j'allais... Putain. J'allais réussir à taper le 2015. Donc voilà, Joker d'ami, j'ai la réponse à ta question con. Oui, la timeline Facebook semble être infinie. Tout dépend de la capacité de ton ordi à générer du contenu et à le sauvegarder, bien évidemment. Je trouve que le mien aura quand même bien tenu, même si je suis un peu déçu de ne pas être arrivé en 2015. Mais bon, j'ai quand même réussi à revenir une vingtaine de jours en arrière. J'ai à peu près 400 amis sur Facebook qui doivent balancer du contenu quotidiennement sur le site. Donc forcément, même 20 jours, ça fait un contenu énorme à générer. Putain, mais ils sont fous les mecs, parce qu'ils doivent stocker ça sur des serveurs gigantesques. S'ils doivent sauvegarder les publications de tout le monde. Mais du coup, ils ont toute ma vie en fait, ces mecs. Bref, on peut scroller à l'infini, seules les capacités de l'ordinateur créent une sorte de fin. Donc voilà, si cette question compte à plus, n'hésite pas à aimer la vidéo, la partager et surtout, abonne-toi. Aujourd'hui, je réponds à la question de Claudie, dis-moi pourquoi les villes de France portent ce nom. Et vous savez ce qui est pire que d'avoir sa propre mère sur Facebook? Avoir top 10 en ami. Putain. Ils postent que de la merde, tout le temps. J'en ai marre!